semaine de vacances, semaine de Yolronde, semaine de soleil, semaine de piña colada, parce qu'on ne prend plus de petits feux maintenant, maintenant on prend des boissons exotiques à l'extérieur. Comment ça va, Daniel ? Oh, ben, très bien, ben, tu parlais du Tour des Yoles, hein. Moi je ne boude pas mon plaisir, parce que le spectacle est toujours aussi beau, et puis ça montre une image tellement positive à la fois de la Martinique, à la fois de la cohésion sociale, parce que tout le monde, est, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu, non, mais il ne faut pas bouder son plaisir, il faut dire c'est bien, c'est beau, pourvu que ça continue. Emmanuel ? Oui, ben je rejoins absolument tout ce que vient de dire Daniel, heureux de rentrer dans cette séquence ensoleillée, cette séquence de vacances, cette séquence de joie partagée, donc bienvenue à tout ça. Très bien. Oh, j'ai envie de frimer, tu ne m'as même pas encore demandé. Frimer, vous dites que je suis un Robertin et nous sommes les meilleurs, hein, Yol. Un petit clin d'œil à nos amis franciscains et à tous les autres. Oui. Non, moi, je veux avant tout vous parler de spectacle qui aura demain soir, enfin samedi soir, le samedi 5, sur l'Indigo, avec une chanteuse de jazz guyanaise qui s'appelle Rosine Gercier. Et qui chante du Nina Simone, qui chante de la Fitzgerald, qui chante de Billie Holiday, Norah Jones, enfin toutes les stars du jazz américain, mais qui chante aussi des morceaux du pays. Elle chante Léona Gabriel, elle chante aussi du Caseco. Donc voilà, c'est Monsieur Annette de l'Indigo qui reçoit cette jeune artiste. Et je vous invite à venir parce que c'est quelque chose de beau. J'étais en répétition hier soir, j'ai vécu un très très grand moment et donc j'aimerais le partager avec ceux qui aiment le jazz. Je vais commencer par une information qui ne figure pas dans le listing, c'est pas le mot exact, mais enfin le conducteur que je vous ai envoyé, parce que vraiment, ça a explosé sur le net, c'est le coup d'État au Niger. Mm-hmm. Alors, donc il y a l'aspect, si vous voulez, anti-français, etc. Bon, ça passera ou ça se calmera ou ça restera, ça demeurera. C'est le seul discours nous dira ce que deviendra le sort de la France en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est un aspect sous-jacent, l'aspect économique. C'est-à-dire que le Niger est le pays qui fournit le plus d'uranium à la France, dans la pratique, dans le concret. Ça, c'est du sérieux. En 2021, il fournissait près du quart de l'uranium utilisé par l'Union européenne. Il est premier fournisseur de l'Europe. Alors, le groupe minier français s'appelle, l'ancien Areva, qui s'appelle maintenant, c'est un autre nom, Orano, voilà. Spécialiste du nucléaire, il avait trois mines. Il y en a une qui a été totalement exploitée, vidée, épuisée. Puis il y en a une encore qui est en fonctionnement. Et il y a quand même 900 salariés et des autochtones qui y travaillent. Ça sera très difficile là de chasser au Rano. Et souvenez-vous que c'est Areva qui avait été mis en examen pour avoir sous-estimé le risque terroriste qui avait causé l'enlèvement de 5 de ses salariés, dont un Martiniquais, si je ne m'abuse. Le groupe français détient 3 mines, comme je vous l'ai dit, mais il y en a une seule en activité, et cette mine, elle est quasiment indispensable. Ça serait intéressant, au-delà des coups de gueule et des dénonciations de la France coloniale et autres, de voir dans la pratique comment les choses réelles, c'est-à-dire les choses d'argent, vont se dérouler dans ce pays. En tous les cas, j'ai trouvé une petite information intéressante, je vous la donne, je la donne aux téléspectateurs. Entre janvier 1950 et juillet 2023, on dénombre 220 coups d'État réussis et tentés en Afrique. Soit presque la moitié des tentatives de putsch qui se sont déroulées dans le monde entier. Et c'est en Afrique que c'est focalisé. C'est assez angoissant. On va maintenant entrer dans le nanan des actualités. Jingle. Alors, on va survoler la quatrième séance du congrès des élus. Et je laisserai, comme d'habitude, Daniel vous donner les éléments très, très techniques de cette affaire, de cette grosse affaire. Ça s'est passé le 28 juillet 2023, la veille du Tour des Yoles. Bon, c'est important, cette histoire de veille du Tour des Yoles. Je m'en expliquerai après. Alors, Serge Letchimy a ouvert le congrès avec des mots très forts. Je vais lire. Le cadre des institutions qui sont les nôtres est aujourd'hui un frein à notre développement. Il ne s'agit pas d'un besoin de pouvoir toujours plus grand, suivez mon regard, mais d'efficacité opérationnelle. D'efficacité institutionnelle pour mieux répondre aux besoins quotidiens du Martiniquais. Je ne sais pas s'ils l'ont entendu. En tous les cas, cette réunion a consisté en des échanges sur les conclusions du CIOM, le comité
interministériel des Outre-mer, qui s'était déroulé deux semaines ou trois semaines auparavant, un débat en conclusion sur le rapport d'une commission, de l'une des commissions, la commission ad hoc, sur la réforme du cadre institutionnel qui est ardemment souhaité et qui fait l'objet d'ailleurs de ce congrès. Les élus ont voté à l'unanimité une déclaration évoquant les différentes possibilités de cette réforme institutionnelle. Je parle de la déclaration solennelle et puis je te donne la parole pour que tu donnes les scénarios possibles. Ouais. Alors, il y a une déclaration solennelle qui rappelle que le Congrès s'est réuni, on ne le sait plus parce que c'est tellement vieux, en juillet 2022, afin d'apporter une réponse aux problématiques de la Martinique. Et on y revient toujours. La première séquence, c'est la Martinique, c'est pas d'autre besoin que ça. La première séquence du Congrès a permis d'écouter la population. La seconde séance a abouti à 59 projets et 35 mesures, dont certaines ont été abordées par le CIOM. Et parce que cette nouvelle séance consiste maintenant en l'ouverture du débat sur une réforme constitutionnelle, est-il précisé dans le... C'est important ça, dans le cas, je lis. Dans le calendrier annoncé par le président de la République le 7 septembre 2022, parce que tout à l'heure on va parler de la Kanaky et de la Nouvelle-Calédonie, et dans l'esprit des gens, il faut ouvrir ça. Alors, il y a un petit débat là-dessus, si vous le voulez bien, d'une réforme de la Constitution. Le CIOM viendrait confirmer l'écoute du gouvernement, disent-ils, c'est une interprétation, hein, en faveur d'un modèle de développement basé sur la subsidiarité. Tu vas expliquer. Et la différenciation, je l'explique. La subsidiarité, ben, si je suis là, je peux prendre la décision et c'est pas la peine que Paris, dans les bureaux glacés, me dise quelle plante mettre, quel mur abattre, etc. Il y a un pouvoir subsidiaire qui est le mien. Et c'est ça le principe, on renverse la vapeur. Le cadre institutionnel de la Martinique relève du régime de l'assimilation normative. Il est modéré par la possibilité d'adaptation, c'est les habilitations, c'est bien ça. Et on réserve aux élus un pouvoir réglementaire de gestion. Et ça les étouffe, ils ne sont pas à même de répondre aux besoins de la Martinique. Je pense que tu peux, toi, maintenant, nous dire les différents scénarios possibles qui permettent, dans le cadre de la République, de préserver les acquis et une gymnastique extraordinaire, vas-y. Oui, parce que, alors, disons que à l'heure actuelle, le Congrès, en tous les cas la majorité de l'Assemblée, considère que la question institutionnelle doit être mise sur la table. Voilà. A priori, tous les élus, même si dans cette séance-là, il y a une partie de l'opposition qui a boudé, mais ils considèrent aussi que c'est possible. Alors moi, je pense qu'il est déjà intéressant de replacer un peu, de faire un peu un zoom. Parce que j'ai entendu dans les commentaires dire « on n'est pas un numéro, on n'est pas le 73 ou le 74 ». On parle quand même de la Constitution, et tout État démocratique a une Constitution avec des articles. Je rappelle que ce n'est pas une invention occidentale, une Constitution. La plus ancienne Constitution date du Mali, qui est du XIIIe siècle, c'est la Charte du Mandé. Donc, par conséquent, tout pays, pour pouvoir fonctionner dans ses rapports entre les individus et puis ceux qui les représentent, a besoin d'une Constitution. Deuxième point, dans la Constitution de 1958, qui a été amendé en 2003 et en 2008 pour suivre l'évolution en fonction de ce que les élus demandaient, les populations demandaient, il y a eu des évolutions. Et la question des collectivités territoriales est réglée par un titre de la Constitution. Mais toutes les collectivités, c'est-à-dire qu'elles soient de France continentale ou d'outre-mer. Et dans ces articles-là, il y a des articles qui concernent l'outre-mer. Et donc, on dit que il y a déjà le choix à la carte. Hein, depuis les révisions de 2003 et 2008, je crois qu'il faut rappeler ça aux gens. À l'heure actuelle, il est possible de choisir, en fait, le régime, le statut dans lequel on est. Nous, à l'heure actuelle, nous sommes régis par le 73, qui est, pour simplifier, ce qu'on appelle l'identité législative. Ça veut dire que dès qu'une loi et un règlement, dès qu'ils sont adoptés, ça s'applique. En 74, il y a une loi organique qui doit décider de ce qui va s'appliquer au choix de la collectivité. Donc, quand on veut, à l'heure actuelle, la question est dans les scénarios possibles, on dit... Soit il est possible de modifier l'article 73, soit il est possible
de fusionner 73 et 74, soit il est possible d'envisager des évolutions, soit il faut des évolutions institutionnelles alternatives. Alors je reprends. Modifier l'article 73. L'article 73 concerne plusieurs collectivités d'outre-mer. Donc si on doit modifier, il faudrait que toutes les collectivités soient d'accord pour la modification, ou alors de dire que la modification ne concerne que la Martinique. À l'heure actuelle, il faut bien qu'on soit conscient, même s'il y a eu l'appel de Fort-de-France, même s'il y a eu la réunion le lendemain du congrès en Guadeloupe de cinq collectivités, on ne peut pas modifier l'article 73 dans son ensemble si tout le monde ne le demande pas. Donc, est-ce qu'il faut quelque chose de spécifique pour la Martinique ? Ensuite, la fusion 73-74, je ne suis pas constitutionnaliste, mais ça me paraît difficile. Comment on peut mélanger un article qui parle d'identité législative avec un article qui dit différenciation ? Moi, ça ne me paraît pas possible. Ensuite, on dit il faut... Alors, je reprends le terme, les évolutions à cadre constitutionnel constant, notamment le passage en 74. Alors, je n'ai pas très bien compris de quoi ça veut dire. Mais oui, non, mais c'est déjà prévu par l'article 72. On dit que les collectifs. Il parle de choix qui serait fait, qui serait proposé. Oui, donc, et ensuite, ils disent les voies constitutionnelles alternatives par un article spécifique martiniquique. Alors, moi, je pense que oui, peut-être qu'on peut envisager un article spécifique martinique, ensuite, un article complémentaire par un 73.1 ou la modification totale de la architecture constitutionnelle. Alors là, il ne faut pas arriver. On ne va pas changer pour la Martinique l'architecture constitutionnelle. Mais il me semble que le point le plus important, mais je ne l'ai pas encore entendu, c'est de dire, voilà ce que nous, l'analyse que nous faisons et les propositions que nous faisons. Dans les propositions de développement, ce qui freine, c'est ça. Est-ce que pour changer ce qui freine, il faut une révision constitutionnelle ? Et chaque fois, il faut dire, je prends deux exemples. Je prends la question des 50 pages géométriques. Il y a une loi pour la Martinique, il n'y a pas eu besoin de la Constitution. L'indivision, il n'y a pas eu besoin de la... Alors, faut-il une réforme constitutionnelle pour aboutir à un changement dans la vie quotidienne, mieux-être ? C'est la question principale que la population... devra, oui, et à laquelle on devra répondre. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, on reste au niveau de l'anecdote, c'est que j'avais tout le temps, parce que vous le savez, j'étais en dehors du département avec le net. On dit plus ça, en dehors du département. Du pays, ou du territoire, de la Martinique, de la métropole, j'étais pas en métropole. On est passé de 158 personnes qui suivaient les débats le matin à 50 l'après-midi. Bon. Quand malheureusement, je suis obligé de le dire, mais c'est pas pour le décrier, quand Louis Boutrin a pris la parole, 10 internautes sont partis après ses premiers mots. Il en restait une quarantaine, deux autres ont lâché au bout de trois minutes de débat, d'explication de Louis Boutrin. Il n'est resté que 37 personnes à suivre sur YouTube, enfin sur les débats de l'Assemblée du Congrès. Finalement, 25 personnes qui ont suivi les débats en fin de course. Quand il a repris son discours, peut-être qu'il n'aurait peut-être pas dû tout de suite évoquer Abiyamemi et le coloniser, puisque bon, c'est pas ça le débat c'est toute une technique pour satisfaire les besoins. Mais ça, je ne suis pas là pour critiquer les élus, je ne le ferai surtout pas, mais nous avons décidé de ne pas faire une émission d'opinion, mais d'information. Cela signifie que les élus, peut-être, vont là, pour l'instant, dans le mur. C'est dommage, parce que c'est nécessaire, effectivement, de déblayer tout ça en faisant le choix, comme tu l'as expliqué. Le choix le plus opérant, le plus efficient. Le fait est qu'en tous les cas, que sur 84 élus convoqués, 37 étaient présents. Si le vote final se fait dans cette proportion, au niveau, à la fin de la série que nous avons entamée, ça veut dire que ça ne passera pas. Bon. 5 maires sur 34 maires, les maires, vous savez combien ils sont importants, en dehors des 2 ou 3 qui sont conseillers de la majorité. Alors, il faudrait fédérer la population sur un projet, il faudrait qu'il y ait des porteurs de ce projet auprès de la population. Alors, est-ce qu'il faut faire une pause, reprendre le bâton, reprendre le cheminement? Mais c'est en décembre que le congrès va se clôturer et qu'ils vont proposer au gouvernement des solutions. En tous les cas, les présidents des exécutifs d'outre-mer, dès le lendemain, parce qu'ils sentent que c'est chaud, ont adressé un courrier soutenant l'action. Ils demandent une réunion pour discuter du CIOM et ils disent qu'il faudrait également une discussion très ferme sur la prochaine réforme constitutionnelle. Et là, c'est la première fois que la communauté, que l'ensemble des présidents parlent de réforme constitutionnelle.
J'allais dire les chibifois. Non, je plaisante. Revenons, ils ont, eux, la première fois dans leur communiqué, parlé ensemble, et même Saint-Pierre et Miquelon s'est adjoint à ce communiqué. Ils parlent là pour la première fois, je le dis, c'est historique, de réforme constitutionnelle. Avant, ils parlaient de bien-être, ils parlaient d'efficacité, ils parlaient de rationalisation de la politique. Alors, si vous voulez, je vais vous dire deux mots en prenant mes responsabilités sur mon expérience en 2010 sur la question référendaire portant sur l'article 74 de la Constitution. Je vais un peu rester sur mon texte pour ne pas partir trop loin dans des élucubrations. D'abord, je vais le dire tout de suite, ça a été une expérience décevante du travail militant proprement dit. Une désaffection que j'ai constatée au sein même du MIM, au sein des progressistes, enfin des souverainistes, des indépendantistes, de la majorité des militants. Je veux en faire la preuve. Dans la pratique, une faible adhésion en réalité des forces devant être porteuses du projet, dans l'ensemble. Pendant un an, on s'est réunis dans les salles de la collectivité, mais c'était la région encore, puisque ensuite, dans la foulée, il y a eu l'Assemblée unique. Une grande partie des forces politiques de gauche, savoir le PPM, qui à cette époque-là, s'appelle la démarche, avec, on le sait, j'enfonce une porte ouverte, la terrible image du chat que l'on achète, qu'on n'achète pas, du chat dans le sac, qu'on n'achète pas son devoir, c'était d'une efficacité. Pour le publiciste, c'était d'une efficacité terrible. Pour qu'on achète le chat dans le sac, et puis c'était ça pour. Et l'exigence à l'époque du PPM d'un statut spécial pour la Martinique et inscrit dans la Constitution française. C'était ça la position. Et souvenez-vous de Darcier qui, avec son autorité de juriste, expliquait tout ça. Alors, quelques anecdotes, hein, pas pour faire sourire, mais pour montrer un petit peu comment c'est difficile l'action politique. Nous avons eu, à cette époque-là, pris 2 heures pour rédiger un communiqué commun. Nous qui faisons nos écritures, nos conclusions, en les dictant en un trait, et puis en parlant les mots justes, j'ai trouvé ça déjà pour commencer assez difficile. Mais j'avais décidé de militer pour une réforme de mon pays. Alfred Marie-Jeanne, je le revois encore, à un stade d'une fois un meeting, sermonnant ses propres troupes, les regardant, sur la tribune de droite, les sermonnant pour leur faible adhésion au projet. Mais c'est les sermonnant à la Marie-Jeanne, hein, c'est-à-dire pas gentiment. Les rois tous ces lieutenants qui n'ont pas baissé la tête et qui avaient bien décidé de ne pas jouer le jeu. Et puis je me souviens du ricanement, ça c'était plus difficile, du ricanement des caciques des différents partis, lorsque des jeunes communicants, des jeunes filles, comme les stagiaires que je vois souvent à Vaspulidum, chez toi, avaient proposé pour le premier meeting du collectif un lâcher de ballon au stade du Lamentin. Et là j'ai compris qu'on était dans un autre monde et que la jeunesse vous dit on va faire lâcher de ballon pour symbole de joie, de fête, de couleur, ça va marcher. Mais par contre, je me souviens des relations que j'ai eues pour la première fois avec des gens comme Eugène Larcher, David Dinal, Louis Boutrin. C'était très, très agréable. Parce que si Louis Boutrin n'a pas été entendu écouter, c'était parce que justement son discours était peut-être comme le nôtre aujourd'hui, technique, précis, sérieux, et que je crois que les Martiniquais n'ont pas tellement besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin de rester tranquillement dans le carnaval, ils ont besoin de rester dans le tour des yoles, dans le chantier de Noël, parce que c'est bien, c'est partie de la culture, c'est de rester dans le festival Weekend Jazz, et ils n'ont pas tellement envie de s'embarquer dans une grande aventure. En tous les cas, je pense que la France doit regarder ça avec un sourire en disant allez, laissez-les jouer, alors qu'en Kanaky, c'est plus sérieux. C'est la raison pour laquelle Emmanuel va nous parler du sujet. À Nouméa, Emmanuel Macron propose aux Calédoniens d'emprunter le chemin du pardon. Oui, donc ça c'était sur la place de la paix le 24 juillet, au terme donc du processus des référendums où la population a fait un choix. Oui. Et donc pour aller peut-être plus loin, ce serait peut-être bien de refaire un petit historique, pour quand même resituer la Nouvelle-Calédonie dans son environnement, et puis les grands événements qui ont conduit à ce processus, qui est un processus très particulier et très exceptionnel. Très sophistiqué. Et très propre à la Nouvelle-Calédonie. Absolument. Donc d'abord, il faut rappeler que la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel qui est 4 ou 5 fois plus grand que la Martinique, avec 270 000 habitants dans le Pacifique Sud, pas très loin de la Chine. C'est important de le noter quand même. Il y a une influence chinoise qui menace l'intégrité de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs que la France s'exprime quand elle parle de la Nouvelle-Calédonie. C'est une histoire qui n'est pas tout à fait la même que la nôtre.
C'est un pays qui a été découvert par les Français, par les Européens assez tard, donc on est au début du 19e siècle, et puis qui, dans lequel il y a eu quelques intégrations de communautés religieuses, de corsaires, qui ont un peu fait souche dans le pays, avec un peu de métissage d'ailleurs, pendant quelques décennies. Et puis Napoléon III, en 1853, décide qu'il cherche un territoire éloigné de la France pour se doter d'une colonie pénitentiaire, pour avoir un bagne, fait main basse sur la Nouvelle-Calédonie et donc colonise la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut bien comprendre, donc c'est tard, ça arrive assez tard, 1853 c'est quand même assez proche de notre période, et il installe un bagne en Nouvelle-Calédonie, un peu comme ce qui a été fait en Guyane, et il exporte des bagnards venus d'Europe qui colonisent entre guillemets ce territoire. Donc aujourd'hui, on arrive à ce bagne qui a fonctionné pendant 70 ans à peu près, puisque peut-être même une centaine d'années, puisque il a dû fermer dans les années 50, 1950 à peu près. En même temps que le bagne de Cayenne. Voilà, de Guyane, exactement, de Guyane. Et donc, il s'est chargé de populations de bagnards qui aujourd'hui constituent une bonne partie de la population caldoche, donc les blancs d'origine européenne qui aujourd'hui sont dans le pays. Donc 270 000 habitants. Et il y a les autochtones. Oui, alors j'y viens. 270 000 habitants répartis de la manière suivante. Une majorité de population autochtone, les Kanaks, donc qui représentent à peu près 110 000 habitants. Donc c'est quand même la partie majoritaire relative, suivie de cette population d'origine européenne. Une population métissée qui est pas négligeable. Et puis une mosaïque de populations issues d'origines ethniques diverses, chinoises, polynésiennes, etc. Donc ça fait un melting pot de populations. Et qui ont constitué bon an mal an un territoire avec un statut particulier aujourd'hui, qui est un statut qui donne une large part d'autonomie en fait à la Nouvelle-Calédonie, et puis avec des frottements de communautés entre notamment les Caldoches et les Kanaks, avec un point d'orgue dans des relations très tendues dans les années 80. Et on se souvient du pic de ce moment qui était en 1988, de mémoire, Ouvéa. La grotte d'Ouvéa, où effectivement, prise d'otage par des Kanaks de 16 ou 17 gendarmes, et ça se termine dans un bain de sang, un bain de sang qui déclenche enfin de vraies négociations entre deux personnalités, Jacques Lafleur, qui représente le parti loyaliste des Caldoches, pour faire simple, et puis Tjibaou, qui lui représente le FLNKS. Et donc ils discutent et ça donne les accords Matignon. Nouméa. Non, les accords Matignon d'abord. Ah oui, d'abord. C'est d'abord les accords Matignon, qui sont des accords qui disent en substance, on se donne un petit peu de temps, une dizaine d'années, et on doit aboutir à un référendum d'autodétermination. Donc ce sont des accords forts qui, entre-temps, une politique dite d'équilibrage intense est mise en œuvre par la France en Nouvelle-Calédonie, notamment pour en faveur des populations kanaks. Donc c'est là qu'on crée les trois grandes provinces kanaks. C'est là qu'on crée des fonds pour intensifier la culture kanak. C'est là qu'on crée qu'on lance des grands travaux de développement. Et c'est à ce moment-là que Jacques Lafleur cède son entreprise minière pour des intérêts plus larges dans lesquels les Kanaks peuvent se retrouver. Donc il y a quand même des changements profonds qui se sont opérés, mais en réalité tout ça visait sans doute à permettre à ce que le vote qui allait intervenir soit moins radical que ce qu'on pouvait penser. Ces accords se sont transformés en accord Nouméa et qui disaient en substance trois référendums successifs, tant que l'indépendance n'est pas obtenue, on revote, donc trois fois de suite. Voilà. Donc les trois votes ont eu lieu, le peuple de Nouvelle-Calédonie a choisi de rester français,
Emmanuel Macron donc, prend acte de cette décision et fait sa fameuse déclaration pour dire en gros, maintenant, et ça c'est prévu dans l'accord Nouméa d'ailleurs, il faut maintenant se mettre d'accord de manière consensuelle dans un nouveau statut, dans une nouvelle règle de fonctionnement qui inscrit maintenant clairement la Nouvelle-Calédonie dans la République française, mais il faut obtenir un consensus entre toutes les parties pour que le nouvel instrument puisse garantir l'avenir. Donc il parle de deux piliers, de deux voies, parce que la voie du pardon et la voie de l'avenir. Alors c'est amusant, c'est la voie du pardon. Moi, ça me fait penser quand même à ce qui a été fait en Afrique du Sud. On pourrait imaginer, et je pense que ce serait une bonne chose après tout, que des commissions vérité, réconciliation se mettent en place. Donc, il y a peut-être là quelque chose d'assez intéressant. Et puis la voie d'avenir, ben, c'est la réforme constitutionnelle qui va garantir l'avenir de ce territoire. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'argent de l'État aille à suffisance parce qu'ils ont investi dans les mines qui pour l'instant ne rapportent pas. Et c'est ça le gros problème, c'est encore un problème économique. Intéressant. Très intéressant. Mm-hmm. Mon cher Christian, tu sais que Moscou a organisé son deuxième sommet Russie-Afrique, réunissant cette année les délégations de 49 pays africains, dont 17 chefs d'État. Tu le sais tellement bien que tu vas nous en parler. Non, mais ce qui se passe là, c'est vraiment important. Et ça, le monde est en train de changer, de basculer. Ouais. Ouais. Alors effectivement, le premier sujet qui retient notre attention, c'est bien évidemment la guerre Ukraine-Russie. Mais de manière sous-jacente, avec la politique aussi peut-être dite de Vladimir Poutine, de déstabiliser l'Afrique également. Ceci étant, on sait bien que l'Afrique, la France a un passé colonial qui est vertigineux. Plus on en apprend, plus on est stupéfait. Les superficies, le nombre de pays qu'ils ont contrôlés. Et donc aujourd'hui, la France a été déboutée du Tchad, du Niger, du Burkina Faso. Du Mali. Et aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui du Niger. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors tu as, en début de notre émission, souligné les implications économiques que ça génère. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Alors je vais vous parler de... Alors cette conférence de Moscou, tu le disais, a réuni 49 pays sur 55 de l'Afrique. Ouais. 17 chefs d'État. Ouais. Et l'orientation, c'est, de Poutine, dit-il, c'est promouvoir un ordre mondial multipolaire, plus équitable, plus juste. Alors, on ne va pas lui donner crédit, mais c'est vrai que le monde a été façonné par le monde américain et l'Occident, qu'on le veuille ou non. Le siècle dernier, si vous voulez, à tel point qu'on croyait que tout était fini du communisme depuis la chute du mur de Berlin. Bien, alors aujourd'hui, Poutine dit qu'il faut absolument lutter contre le néocolonialisme européen et français, notamment en Afrique. Donc c'est rebattre les cartes. Alors aujourd'hui, on sait aussi que quand on analyse les choses, on voit l'importance que le franc CFA, par exemple, a eu depuis 1930. La France a contribué à la création d'une monnaie qui est faite. Quel contrôle ? Qui est faite où d'ailleurs ? Qui est faite en France. Alors l'objectif, c'était bien évidemment de contribuer à structurer une économie de pays anciens colonisés, mais les analyses économiques montrent que ça n'a pas du tout eu d'effet. Déjà, il y a peu d'échanges entre les pays concernés. C'est à croire que tous les pays veulent exporter vers la France, et non entre eux. Donc on se rend compte aussi que cette coopération monétaire n'a pas véritablement créé une situation économique qui a permis le développement. Donc aujourd'hui, il était prévu également de créer une monnaie africaine, l'écho, qui n'aurait pas été créée. Ça a avorté. Vous voyez, qui n'aurait pas permis de sortir de cette situation. En tout cas, pour globaliser, c'est vrai que cette situation dans le monde et aujourd'hui est pleine d'incertitudes. On sait bien que, tu l'as dit tout à l'heure, le nucléaire était très important pour l'Europe, pour l'énergie, enfin notamment l'uranium en tout cas, pour l'alimentation de l'énergie nucléaire. On peut se même demander aussi ici quelles seront les incidences, parce que l'électricité a déjà commencé à augmenter. Oui. Peut-être c'est l'occasion encore une fois de nous positionner encore plus sur le solaire pour travailler véritablement à des nouveaux équipements. Voilà. Pour terminer, je vais parler de la CEDEAO, parce qu'on a beaucoup parlé de la CEDEAO, cette communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a son siège au Nigeria, qui a été créé en 1975,
et dont la crédibilité, manifestement, n'est pas assise non plus, parce qu'on voit les difficultés qu'ils ont à discuter avec le Niger. D'ailleurs, j'ai appris que récemment, il y a hier ou avant-hier, il y a une délégation de la CDAO qui est arrivée au Niger et qui a dû repartir. Donc, véritablement, aujourd'hui, on se pose des questions. Et puis, pour terminer, je veux parler d'euphorie. Très souvent, quand il y a des révolutions, il y a une euphorie. Vous vous rappelez l'Iran, après Khomeini, tout le monde était euphorique. Mais il faut se méfier de l'euphorie. Mmh. Parce que l'euphorie de l'impression de la liberté, très souvent, accouche des lendemains qui sont assez problématiques. Donc, de dictature. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit bien le cas de l'Iran, à mon avis, est assez démonstratif. Ouais. Très bien, monsieur. Petit jingle pour les problèmes de les sujets de société. Emmanuel, toi qui es un homme d'ordre, de principe, je blague. Tu es libéral, tu es un homme au contraire très créatif, qui est un peu pour être tué les morts, mais ça ne t'empêchera pas de nous parler là de l'institution policière qui est parvenue à convaincre le gouvernement qu'en fait que sans la police, il n'est rien. Oui, alors, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent autour de la police aujourd'hui. D'abord, il y a les grandes manifestations qui ont mis en épreuve les forces de l'ordre de manière assez singulière. Et puis, il y a eu les faits qui se sont produits début juillet à Marseille, où quatre policiers ont été accusés d'avoir molesté un jeune de 21 ans, Eddy, qui était en marge des manifestations du moment et qui a porté plainte contre ces policiers. Et ces quatre policiers ont été mis en examen, dont un a été mis en détention provisoire. Donc voilà un petit peu le rappel des faits. On a entendu les déclarations médiatiques du jeune molesté. Et effectivement, il était, semble-t-il, sérieusement amoché. Il a perdu un œil, il a eu le crâne défoncé. Enfin, c'était quelque chose d'assez terrible. Et effectivement, à partir de là, l'emballement médiatique s'est mis en œuvre et le procès médiatique s'est mis sur la place publique, en fait. Donc aujourd'hui, ça soulève des vagues d'indignation de part et d'autre et ça montre à quel point le pays est un peu fracturé entre deux visions, finalement. La vision des tenants d'un ordre et du rétablissement de l'autorité de la police et de la gendarmerie. Et on peut le comprendre, puisqu'en effet, c'est un corps qui est soumis à de terribles pressions et dans un environnement où le sens de l'autorité est objectivement dégradé un peu à tous les niveaux de la société. Hein. C'est vrai pour la police, c'est vrai dans les écoles, c'est vrai, on le voit un peu dans tout ce qu'on observe. Et puis, les tenants naturels de l'ordre, plutôt de la justice, qui disent « il n'y a pas de justice à deux vitesses, tout le monde doit être soumis à la même justice ». Et donc, voilà un peu les termes du débat. Et derrière ce débat, qu'est-ce qu'on entend ? D'abord, on entend des policiers qui contestent la mise en détention provisoire d'un policier pour une raison qu'on peut comprendre, en tout cas que moi je comprends, qui dit en substance, il ne s'agit pas d'extraire le policier de son examen de justice, puisque s'il a commis une faute, il doit être jugé, donc il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, est-il, ça c'est la vraie question qui est posée, est-ce qu'un policier bénéficie d'un statut particulier qui fait que sa position, enfin sa parole, n'est pas équivalente à celle du citoyen lambda quand il exerce sa fonction de policier? C'est ça le sujet. Donc quand il est suspecté d'un acte de violence dans l'exercice de ses fonctions, ne bénéficie-t-il pas d'un statut singulier, puisqu'il est quand même porteur de l'autorité qui lui a été déléguée par la République, et donc à ce titre-là, ça doit pouvoir rendre les choses plus exceptionnelles, peut-être, enfin je mets beaucoup de conditionnels pour sa mise en détention provisoire. Donc, ce que ça a déclenché comme réaction, c'est le directeur de la police nationale de Marseille, je crois, qui a dit qu'il ne dort pas bien quand il sait qu'un policier est en prison. Enfin, jusque-là, moi, ça ne me choque pas d'entendre ça. Et puis il dit, de façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves. Donc voilà un peu la phrase qui déclenche la grande polémique.
Mais c'est, je crois que derrière ce sujet, enfin, sans prendre position, parce que là, il s'agit d'un sujet maintenant juridique, la grande posture, c'est de dire, c'est de ne pas choisir entre la police et la justice. Ça reste deux piliers fondamentaux de l'ordre républicain, et c'est important que les autorités et les légitimités des uns et des autres soient absolument respectées de manière générale. Daniel, ton avis de professionnel. C'est que le principe, c'est la séparation de la police et de la justice. La mise en détention, c'est une décision de justice. Donc, critiquer pour que les policiers critiquent la décision de justice, c'est s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Et en l'état du droit actuel, il n'y a pas de présomption pour les policiers. Et je signale que la présomption de légitime défense, c'est un des programmes du Front National, de Marine Le Pen. Donc, en l'état du droit, pour les policiers, oui. En faveur des policiers. Donc, mais en l'état du droit, s'il y a un comportement, et il y a eu en cause d'appel, puisque le policier était jugé en appel sur sa demande de mise en liberté, il y a eu un séquençage des opérations. On n'était pas simplement dans un cas d'ordre, c'était des policiers qui étaient avec un jeune homme tout seul. Donc par conséquent, laissons la justice, ce sont des juges qui en fonction des éléments ont considéré. On peut critiquer, il y a des voies de recours, mais on ne peut pas dire dans l'état du droit que parce que ce sont des policiers, il n'a pas à être en prison. Ça veut dire qu'un policier peut faire n'importe quoi. Non, en l'état du droit, ce n'est pas possible. Si l'on veut restaurer l'autorité des policiers, cela passera par la mise en valeur de son intelligence, de sa capacité à analyser les situations et à les régler légalement, et non en imposant la peur qui ne dissuade ni les criminels, ni les individus marginalisés ou en soustrayant la police au principe de l'État. Et je crois que c'est M. Darmanin, c'est ça, qui expliquait que c'est en parlant de ces jeunes gens pas très formés, pas très éduqués, qui composent la police, qui les effectifs de la police. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut élever le niveau des policiers, c'est peut-être à ça qu'il faut s'atteler. Alors ceci étant dit, les juges, en même temps je ne dis pas le contraire, mais j'amène un bémol à ce que j'ai dit, les juges dans le rendu de la justice, les magistrats bénéficient d'une immunité totale. On ne peut pas les poursuivre pour des erreurs. Tu mets un coup de matraque sur la tête et qui déforme, qui arrache la moitié du cerveau. Là, c'est peut-être plus différent d'une erreur dans l'interprétation du droit. Mais enfin, il y a la Cour de cassation, il y a le fonctionnement de la justice. Dupont-Moretti, bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt, ce qui est reproché au ministère de la Justice. Moi, je dis que je pense que nous vivons une époque assez extraordinaire. On a un ancien président de la République qui a une liste longue, même si on en rajoute, même si c'est un peu en France, qui est poursuivi, qui est mis en examen, qui est condamné, qui est accusé. Un président de la République n'est pas poursuivi. Sarkozy n'a jamais été poursuivi. Ah non, c'est d'accord. Un ancien président. On a de l'autre côté Trump, puis on a dans d'autres pays aussi des scandales aussi importants. On vit une époque assez particulière. Et là, nous avons le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui alors il est poursuivi pourquoi? Parce qu'il est, il aurait été. Alors c'est quoi la prise illégale d'intérêt? Alors, je vais expliquer ce que c'est. C'est une infraction intentionnelle qui suppose chez l'auteur de cette infraction la conscience et la volonté de prendre un intérêt illicite dans une affaire qui est soumise à sa surveillance. Alors, il est, en deux mots, puis le temps file, il est avocat. On consulte ses fadettes. Les fadettes, ce sont les listings de ses appels téléphoniques dans une affaire. Dans une autre affaire, il se pose à un juge d'instruction qu'il estime être un véritable cow-boy. Et dès qu'il est en charge, il ordonne des mesures d'enquête administrative à l'encontre de ces magistrats qui, par ailleurs, sur les plaintes qu'il avait formulées quand il était avocat, les conseils de la magistrature ou justice tout court avaient rejeté ces demandes. Alors, alors ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve ça bizarre, parce que tu es élu ministre de la Justice et tu vas régler tes comptes d'avant quand tu étais avocat. Même s'il avait raison, même s'il s'agissait effectivement de comportement excessif de ces magistrats, tu as d'autres chats à fouetter que d'assouvir une juste vengeance. Mais tu ne l'assouvis pas parce que tu as pris la hauteur.
tu es ministre, tu es chancelier, et puis tu représentes des intérêts autres que les intérêts que tu avais avant d'être désigné. C'est ce que je... Même si, effectivement, le comportement de ces juges, de ces magistrats, que tu as constaté dans l'exercice de tes fonctions d'avocat, était outrageux, était outrancier, était c'est pas acceptable. Donc, c'est pas la peine de citer. C'est pas utile de citer les noms et tout. En tous les cas, l'explication qu'il a donnée, en tous les cas pour l'instant, c'est que ce sont ses services à lui qui l'ont quasiment contraint à ce. Là, c'est difficile à comprendre et à admettre cet argument de défense. Au contraire, engager, c'est à mettre en œuvre, mettre en marche ces procédures administratives à l'encontre des juges. Moi, tu arrêtes, si c'est avant, tu arrêtes. Non, c'est vendetta. Si ça avait été initié avant, je ne suis pas entré dans le détail, mais un ministre qui, en tous les cas, il devra comparaître devant la Cour de justice. Et la commission d'instruction de la Cour de cassation a rejeté tous les arguments qu'il avait soulevé pour solliciter, pour obtenir l'annulation des poursuites qui avaient été engagées contre lui. Il devra donc comparaître devant la Cour de justice de la République, qui est l'institution, qui est la juge. Qui oui, tout à fait, en bénéficiant de la présomption d'innocence. Ouais. Non, mais ça, jusqu'à ce qu'il soit jugé. Oui, mais pour l'instant. Pour l'instant, ça va de soi. Donc, c'est comme si nous disions ici à chaque fois que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. C'est évident qu'il bénéficie d'une. Mais les arguments qui sont soulevés maintenant et le positionnement, je le répète tranquillement, avec sérénité, positionnement d'un ministre qui est élu et qui lance des procédures administratives à propos de magistrats qui s'étaient occupés d'affaires qu'il avait connues avant, ça n'a pas qu'à faire. Du tout, c'est vrai qu'on a dit qu'on ne fait pas une émission d'opinion, mais je trouve ça assez étrange. En tous les cas, il garde toute la confiance de la première ministre, Elisabeth Borne, donc c'est peut-être moi qui me trompe et qui suis un gros imbécile et qui me trompe dans mon appréciation de la situation. Jingle, jingle, sur ensuite le problème de culture, devra nous parler Daniel. Au Festival d'Avignon, les actrices de la pièce Carte Noire, nommée Désir, victime d'agression raciste. C'est le titre de l'article, hein, c'est pas ainsi que je qualifie le sujet. Daniel va. Alors, que s'est-il passé? Donc, au Festival d'Avignon, et pour ceux qui ne savent pas, le Festival d'Avignon, c'est le plus vieux festival de France et qui est consacré au théâtre et à l'art vivant. Et donc, à ce festival, il y a. Ce qu'on appelle le festival in et le festival off. Le in, c'est vraiment la consécration, lorsqu'on est déjà connu. Et puis le off, c'est lorsqu'on cherche une visibilité, une reconnaissance. Et donc, une carte noire nommée Désir était au festival in. Donc ça veut dire qu'on considérait déjà que c'était quelque chose qui était assez important. La metteur en scène est une qui s'appelle Rebecca Chaillon. Elle est martiniquaise d'origine, mais elle est née en France continentale et elle vit en France continentale. Elle n'a jamais vécu ici. Et ce qu'elle présente, c'est ce qu'on appelle du théâtre, performance. Alors, je trouve ça un peu flou, mais enfin, c'est quand même 2h45 où elle est sur scène. Et ça fait le buzz, c'est que à la conférence de presse de clôture, le directeur du Festival d'Avignon dit qu'il apporte son soutien à cette compagnie et aux comédiennes parce qu'elles ont été victimes de propos racistes lors des représentations et même en dehors de la scène. Et qu'il y aurait même eu, lors de la dernière représentation, des comédiennes qui auraient été, dont on aurait touché le bras avec violence. Alors donc, bon, d'accord, on se dit, bon, il y a un principe, le directeur dit, et MeToo Théâtre dit aussi qu'il condamne solidarité avec la troupe.
Et donc, c'est le principe, moi je dis, ok, s'il y a des, si à partir du moment où il y a des injures racistes, il faut condamner. Il n'y a pas d'atténuation sur cela. Maintenant, comme nous sommes dans la rubrique culture, moi je m'interroge quand même, et il y a un certain nombre de questions. Alors, personne n'a vu la pièce, hein, mais avec le net, on a droit à des extraits, on a etc. Et donc, moi, je me pose des questions. Je dis, bon, la performance, on le voit sur les images. Et je signale que dans la pièce, il y a des gens qui ont quitté la salle, et notamment des féministes. Parce que avoir une femme nue pendant des dizaines et des dizaines de minutes, il y en a certaines qui peuvent considérer que c'est instrumentaliser le corps de la femme. Et c'est un choix. Donc je peux dire, mais ces personnes ont réagi en quittant la salle. On peut se poser la question la question quand on voit des bébés blancs brochés sur. Tu vois, c'est un questionnement, on peut se poser. Mais bébés représentés par des poupées, pour que je ne crois pas que ce sont des vrais bébés. Des poupées, non, mais j'ai pas d'esprit. Tu as dit des bébés. On a vu l'image. En tout état de cause, moi je crois qu'il y a vraiment des questions sur le plan artistique. Qui peuvent se poser. Et en conclusion, donc, ça a fait l'objet de débats, et pourquoi pas. Bon, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas à la Mercury, machin, parce qu'il y a trop de nudité. C'est la raison pour laquelle le carnaval, je fais un petit peu attention parce que ma pudeur est atteinte. C'est la raison pour laquelle. Qu'est-ce qu'il y a encore bon, il n'y a que les chants de Noël que j'apprécie, mais en milieu, c'est fermé. Christian, jingle pour qu'on passe à la musique. Alors, nous avons un fin guitariste qui s'appelle André Condon, dont tu vas nous parler. Je ne fais pas de présentation. Je le fais pour la deuxième fois. Hein. Ce n'est pas moi qui choisis les sujets, c'est ce mélomane extraordinaire. Parce qu'il me propose toujours à parler de gens intéressants. Donc, merci, ce qui montre que. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'André Condon, qui est un guitariste guadeloupéen. Il est né en 1935. Oui. Il nous a quittés en 2014, 79 ans. André Condon a été initié à 14 ans à la contrebasse. Il a accompagné des orchestres en Guadeloupe. En 1956, à 21 ans, il est parti avec Robert Mavounzi. Oui. Alors, les mélomanes connaissent Robert Mavounzi, c'était un grand saxophoniste guadeloupéen qui a marqué quand même, et sa femme aussi, la Madame Mavounzi. Ensuite, André Condon a joué avec Al Lirva. Voilà. Donc il a fait une très 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 bonne école. Et puis il a sillonné un petit peu toute l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Suède, la RDA, la RFA. Il a joué un peu partout. Alors on va, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va déjà écouter une petite contribution musicale d'André Condon. André Condon, à mon avis, ça a été l'un des premiers guitaristes antillo-guyanais ouverts sur le monde. Oui. Hein, c'est pas, je ne veux pas critiquer, mais vous avez vu son style, c'est du George Benson, c'est Earl Clark, c'est Bob James. Donc il a effectivement un jeu avec une délicatesse, avec une souplesse, avec une émotion. Une émotion. Alors il a aussi joué, bien évidemment, le répertoire local. Il a aussi joué le beginner. D'ailleurs, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous proposer d'écouter un deuxième titre qui s'appelle Pani Pibelkiou, où on va retrouver les bases du jazz et de la begin que propose. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Thank you.
fait partie de ceux qui nous ont inspirés quand on a créé Biggie Jazz. Exactement. J'aimerais vous dire aussi qu'il a aussi été un peu le fils spirituel de Gérard Loquel. Ça a été le bon camarade d'Alain Jean-Marie également. Oui. À propos de Gérard Loquel, permettez-moi de faire un clin d'œil à Maurice Saudel, qui est un Martiniquais, qui vient Marie Galante et qui regarde tout le temps nos émissions. Et qui m'a dit, Christian, Gérard Loquel est toujours là. Ouais. Donc, je fais un clin d'œil à Maurice Saudel, mais aussi à Gérard Loquel. En 1985, André Condroit a participé à, vous saviez, avec le CMAC, Madame Moguia, que oui. je salue, nous organisions avec la SACEM un concours international de composition de guitare. Et il a fait partie de ce, il a eu le prix spécial en 1985. Oui. Voilà, donc je vais vous proposer d'écouter encore. On va d'ailleurs l'écouter à travers une interview qu'il a fait avec une télévision nationale. Vous êtes l'invité d'Alain Jean-Marie. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi avoir accepté son invitation? Ben, parce que Alain Jean-Marie, c'est l'un de mes pianistes favoris. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a une conception de la musique rarement atteinte par un Antillais. C'est-à-dire que les Antillais, ils sont plutôt attachés à la variété, à la musique de danse. Tandis qu'Alain, lui, il est attaché à la musique du jazz, une musique de réflexion, une musique pour vraiment apprendre des trucs. Vous savez, il y a quelqu'un comme Francis Poudras a dit que la musique de jazz était la musique classique du 21e siècle. Et donc, moi, je suis attiré par cette musique depuis mon enfance. Alain aussi, c'est pareil. Et j'aime ce garçon parce qu'il m'apporte une certaine... une satisfaction sur le plan émotionnel. Il joue des trucs invraisemblables que je n'ai jamais entendus par qui que ce soit d'autre. Et ça, vraiment, ça me plaît. Et donc, dans tous mes albums, il y figure, il a sa place dans mes albums. Il a toujours été là. Et donc, quand il m'a proposé de venir, je n'ai pas pu refuser. Voilà, on va terminer avec un morceau qui est connu, qui s'appelle « Parfum des îles ». Ouais. Alors, c'est un peu ma maladie d'ancien SACEM. Qui a été composé, parce qu'on ne se pose pas les questions, par un monsieur qui s'appelle Charles Pagianiandi. C'est un Guadeloupéen ouais. qui a composé Parfum des îles, qui est une mélodie que tout le monde connaît, mais dont on ne connaît pas l'auteur. Voilà. Comme une histoire qu'on raconte, hein. C'est comme un poème. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis c'est une déclinaison de nos musiques. On appelle ça begin de salon, on appelle ça begin jazz. Ouais. Mais je crois que c'est important ce qu'il a dit aussi. L'écoute est importante, l'émotion est importante. Il faut faire attention à la musique, j'ai envie de dire. Absolument. En tous les cas, après les sujets assez ardus pour un mois d'août que nous avons traité tout court, je crois complètement. Mmh. C'est bien, c'était bien de finir avec cette fraîcheur de jazz un peu, j'allais dire céleste. Soft, on va dire ça. Je salue tout le monde, toute l'équipe, Mehdi, Giovanni qui n'est pas là, mais je dis David qui n'est pas là non plus, mais on pense à eux. Tous les autres, et puis vous, téléspectateurs qui êtes avec nous chaque semaine et qui serez avec nous pendant tout le mois d'août, ainsi que les plus fidèles proches. Daniel, bonne vacances. Et Daniel, voilà. Oui, vous sortez de la mer, vous mettez Bermuda, venez, parce qu'on ne sait pas que si est en Bermuda, que Daniel n'a pas de bas. Ah, n'est-ce pas? Allez, à la semaine prochaine, arrêtez de dire des bêtises. Bye bye.